Observateurs, vous avez sans doute déjà entendu parler du Restomode, l'association de ces deux mots qui veulent dire restaurer et moderniser une ancienne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse le sujet, on se rend compte qu'il n'y a pas réellement de définition précise du Restomode. Le simple fait de mettre des feux à LED sur votre deux chevaux, c'est déjà la moderniser et faire du Restomode. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui, à mon avis, est en train de redéfinir les règles du jeu du Restomode. Il s'agit de la Porsche 928 de Nardone Automotive. C'est un Français qui est à l'origine de ce projet. Il s'appelle Thierry Nardone. Il va nous présenter sa voiture et surtout sa conception du Restomode. Il faut savoir qu'il travaille depuis plusieurs années sur ce projet. Et dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons aller en Italie, voir les gens qui travaillent sur les moteurs et aussi ceux qui ont conçu l'ensemble de cette voiture, et je précise, c'est toujours une voiture thermique. On va aller le retrouver. Bonjour Thierry Nardone. Salut Renaud. Ça va bien? Ça va et toi? Ben, ça va très bien parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance. C'est moi qui suis chanceux de t'avoir. D'être devant ton bébé. Ouais, on peut le dire. Ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Écoute, le projet est né en 2019. Grâce à Instagram. On va refaire toute l'histoire, mais avant, j'ai envie de te dire, il y a une tradition sur POA. Tu sais, quand des gens nous présentent une voiture, je leur demande de quels détails ils sont plus fiers. C'est une bonne question. Je vais commencer par les jantes, par exemple, parce que ça a été bien à côté de moi. Ouais. Les jantes, en fait, faut savoir que 3 mois avant le lancement de la voiture, on avait tout essayé en 3D, des jantes d'origine BBS, Porsche. Il y a rien, absolument rien, qui allait. Et puis, que ce soit au studio de design ou moi, on est tous passionnés de l'époque, tu sais, des turbofans en rallye, de cet effet concave. Et en fait, ça a démarré, j'ai pris mon iPad, d'ailleurs je pourrais te montrer, j'ai les premières ébauches. J'ai commencé à faire une roue en 3D, j'ai envoyé ça à mon designer qui est quand même loin de ce qu'on a aujourd'hui. Et mon designer a tout retravaillé et on a envoyé ça à la société qui fabrique les jantes de l'autre côté de l'Italie. Et puis, les mecs, quand ils ont usiné la roue, ils nous ont dit, Thierry, ça fait 15 ou 20 ans qu'on a la boîte et je crois que c'est les plus belles jantes qu'on ait. Et donc, c'était assez marrant. Et quand je les ai vues sur la voiture, je me suis dit, elles sont parfaites. C'est l'évolution des jantes d'origine, en fait. On a l'impression qu'elles ont toujours été là. Mais j'en ai moi un deuxième que je voudrais que tu me présentes, qui me fascine, parce que la voiture, elle tourne sur Instagram, il y a eu des vidéos, tu as fait le tour du monde pour la présenter. Mais un jour, j'ai vu les phares, là, escamotables. Ouais. Bon, on comprend que c'est des LED, mais je t'ai demandé, mais pourquoi tu pousses le détail d'aller jusqu'au... aussi loin là dans la structure, et raconte-moi l'histoire. En fait, c'est quand les designers ont cherché un petit peu un fil conducteur dans le design, ils ont fait des recherches sur qui était Ferdinand Porsche, ce qu'il avait fait avant d'être fabricant de voitures, et ils ont trouvé, tout le monde sait qu'il a, enfin, peut-être pas d'ailleurs, qu'il a été designer industriel. Et donc, ils ont trouvé des ébauches de lampes, en fait, que Ferdinand Porsche avait faites. Et puis, ils se sont inspirés, en fait, de ça. Et donc, ces traits que tu retrouves ici, tu les retrouves aussi sous le pare-choc, à l'arrière. Et puis, voilà, c'est un peu le fil conducteur. On le retrouve dans les optiques arrière aussi. Voilà. C'est né comme ça. Alors, on va dézoomer un petit peu avant que tu t'installes. Le projet, c'est donc une Porsche 928 complètement modernisée, mais qui garde l'esprit de la première, qui reste une voiture thermique. Ah oui, ça c'est... Voilà, précise, mais vous intervenez pratiquement sur tout. On va rentrer dans le détail, mais voilà, quelqu'un qui ne connaîtrait pas, comment tu lui présenterais en une minute l'histoire? Alors, en fait, l'idée, c'était un petit peu de faire, donc Restomode, ça veut dire, tu l'as très bien dit, restauration, modernisation. Donc, ce n'est pas seulement un kit carrosserie, et c'est ça qui est vraiment important d'expliquer. L'idée, c'était de faire un peu comme si Porsche avait continué de la fabriquer après 1995, quand ils ont arrêté avec la
la GTS, qui était la dernière produite. Il faut savoir que quand même, elle a été produite pendant 17 ou 18 années, la 928, ce qui est une très très longue carrière. Et puis en fait, voilà, si tu regardes certains aspects, comme par exemple le galbe des ailes, la façon dont la ligne du capot enchaîne avec le pare-choc, tout ça, c'est des éléments qu'on retrouve sur des Porsche un petit peu plus modernes, type 993, 959, etc. Il y a le design, mais les soubassements aussi, vous retravaillez, moteur, boîte. Ouais, c'est pour te résumer grossièrement, parce que c'est beaucoup d'ingénierie, mais c'est à peu près 3000 pièces créées de zéro que pour cette voiture-là. Donc ne serait-ce que sur la carrosserie, par exemple, on garde uniquement les portières. C'est le seul. Parce que la base reste oui. Il faut venir avec sa propre oui. S4. On utilise une S4, absolument. On utilise une S4, donc en boîte mécanique, ça c'est important. Parce que la boîte automatique, disons que c'est un peu un sacrilège de développer le moteur qu'on fait pour utiliser une boîte automatique qui date des années 60 chez Mercedes, qui est plus du tout actuelle et qu'on ne peut pas faire évoluer. Donc on a absolument besoin d'une boîte méca, parce qu'en fait on recrée 198 pièces rien que pour la boîte. Donc on rentre un sixième rapport en gros. Qu'elle n'avait que 5 vitesses. Hein. Ouais, d'origine elle est avec 5 vitesses. Tu as travaillé avec un bureau de design italien qui s'appelle comment ? Alors c'est le studio Borromeo de Silva. Ah. Ils ont, disons, ça fait je crois maintenant 12 ans qu'ils exercent. C'est deux noms assez connus, la famille Borromeo d'un côté qui est la plus vieille famille aristocratique d'Italie et l'autre côté de Silva qui est aussi un nom connu puisque le père de Fabio de Silva. C'est Walter de Silva, donc il a été chef du design chez VAG. Il a aussi été chez Alfa Romeo pendant une période. Je crois qu'il était à l'origine de l'Alfa 156. Donc voilà, c'est deux noms connus. Et puis en fait, ils ont fait le buzz quand ils ont lancé cette fameuse Lancia Delta en Restomod, qu'on appelait la Futurista de Automobili Amos. C'est comme ça que tu les as découverts, hein. Et c'est comme ça que tu as eu envie de lancer le projet. Oui, en fait, c'était au départ un projet personnel. C'est né d'une idée, j'ai contacté Carlo en lui disant « Écoute, j'aime bien la façon dont vous avez modifié les optiques arrière sur votre Delta, est-ce que vous pouvez m'aider à faire pareil sur ma voiture ?» Et en fait, on est rentré tout de suite dans le vif du sujet, parce que Carlo était très sympa de me répondre avec... Et Carlo me dit gentiment « Ben ouais, mais le truc, c'est que c'était l'élément le plus cher sur un Restomode. » C'est les feux. Enfin, l'ingénierie, le design, les prototypes, l'homologation, parce que c'est aussi une histoire d'homologation. Il faut compter 100 000 euros pour faire deux optiques pour la première série, quoi. Et donc, quand j'ai entendu ça, je dis OK, bon, peut-être qu'on oublie le projet perso et on va plutôt aller vers un projet pro. Thierry, que je comprenne bien, tu es plutôt de formation ingénieur, tu as eu plein de vie avant. Alors, mais tu n'es pas designer. Non, pas du tout. Tu leur as confié ça donc à ce studio italien. Mmh. Dans ta tête, tu avais des dessins, tu leur as dit je veux ça, puis ils sont venus avec des esquisses. Comment ça se passe ? On a travaillé vraiment. Alors moi, je pars du principe que ce sont des artistes, ces gens. Donc je ne voulais pas les corrompre. C'est-à-dire que je voulais partir d'une feuille blanche. Je leur ai absolument pas donné de guideline, si ce n'est que je voulais être plutôt conservateur, donc qu'on reconnaisse la 928, qu'on ne fasse pas un projet qui s'écarte complètement. Et en fait, ils sont venus avec trois propositions. Et dans les trois propositions, j'ai choisi celle qui était la plus fidèle, on va dire, à l'héritage Porsche. Et on est allé dans cette direction-là. Petit à petit, on avançait main dans la main, mais ça n'a jamais été moi qui disais « Attention les gars, je veux ça comme D'accord. ça. » Parce que sinon, c'est moi le designer. Moi, je n'ai pas cette faculté-là. Je suis plutôt, comme tu l'as dit, côté ingénierie, où là, par contre, quand je parlais des ingénieurs, je sais exactement ce que je veux. Quand on regardait sur le papier, que ce soit mes designers ou moi, on s'était fait une liste des choses qui nous chagrinaient un petit peu. Sur l'original. Sur l'original. Et en fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments et quasiment un sur chaque élément de carrosserie. Ce qui fait qu'on a tout retouché. Et au final, on se retrouve avec une modification qui est beaucoup plus importante que ce que j'avais imaginé. Mais par exemple, le galbe, ici, c'est plus les mêmes vitres. Alors, ça, il faut quand même préciser que si vous voyez des petits défauts, c'est une maquette roulante. Hein. Oui, c'est ce que t'appelles un chocard. Le prototype va arriver. Faut le savoir, hein, parce que franchement, elle est tellement déjà, elle est roulante, elle est truc. Mais tu arrêtes pas de me le répéter. Je vois que les défauts. Pour toi, elle est pas parfaite. Ça fait 2 ans. Viens te mettre, parce que là, on voit tellement l'arrière. Ouais. Tu m'as dit, il est un peu plus large. Ouais, l'arrière est plus large de 6 cm, donc 3 cm de chaque côté, comparé à une GTS. Qui est déjà plus large que la moyenne. L'avant, par contre, on l'a beaucoup plus élargi. On a aussi redistribué les proportions vers l'arrière. Donc, les optiques que tu vois ici, ils ont quasiment la même forme que les optiques d'origine, mais surtout, ils sont à la même position.
Et quand tu regardes, tu peux comparer avec celle-là là-bas, le bas du coffre, normalement, il arrive au-dessus de l'optique. D'accord. Et donc, en fait, on a levé 4 cm à l'avant et on est venu rajouter à l'arrière. Et donc, en faisant ça, les proportions sont un peu plus justes à notre sens, quoi. Et voilà. Le problème qu'il y a sur ces voitures depuis toujours, c'est que dès lors que tu commences à mettre des amortisseurs, des grosses roues, tout ça, eh bien, tu as ces phénomènes qu'on connaît sur toutes les vieilles voitures, de torsion, de craquement à l'intérieur. Et moi, ça, c'est le truc, ça m'a hérissé les poils quand je conduis une voiture qui fait ça. Et donc, j'ai dit à mes ingénieurs, il faudrait qu'on corrige ce défaut de torsion. Donc, ils m'ont dit, OK, pas de problème, on soudera la caisse, machin. Et puis, finalement, quand je leur ai dit, je veux plus ça, ce gap-là, je ne le veux plus. Et en fait, ça sera une coque en carbone qui va partir de la baie de pare-brise et qui va aller jusqu'à la fin du coffre. Donc, ça sera une seule et unique pièce. Et du coup, on n'aura plus que le spoiler avec la vitre qui s'ouvrira. Et là, tu gagnes en rigidité, tu gagnes... Rigidité, poids. Et donc, on va avoir une vraie peau en carbone, mais avec un châssis renforcé dessous et un arceau qui va être intégré, en fait, qui va venir se reprendre ici, sur des grosses pattes. Et il y aura un tube. Là, on va quasiment peler tout le montant ici. Et dessous, tu vas avoir un énorme renfort qui va venir s'appuyer sur une nouvelle structure là. Enfin, voilà. Et donc, ça va changer pour moi esthétiquement tout. Parce qu'on aura quand même cette ligne qui fait partie, qui est une caractéristique de la voiture. Mais on n'aura plus que ça et la vitre. Donc, on aura une nouvelle vitre avec mon logo ici. Ça, pareil, ça sera des nouvelles vitres avec le logo Nardone quelque part par là. Et voilà. Donc, ça, c'est le truc. Au début, est-ce qu'elle est un peu plus longue, juste ou. Non, c'est les mêmes proportions, simplement décalées vers l'arrière. Le capot est plus court. Normalement, la ligne vient ici, à peu près, tu vois, d'origine. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu raccourci le pare-choc comme ça. Et, comme je te disais, on les a mis derrière. Et puis surtout, on a remonté le capot. Et ça, donc, ça faisait partie du design. Et puis, j'ai dit à mes ingénieurs, si c'est pour. Ne pas que ça soit fonctionnel, je veux pas que ça y soit, puisque j'aime pas les trucs factices, donc il faut que ça ait une utilité, et on s'en servira pour alimenter la boîte à air, en plus de cela. D'accord. Tu me disais aussi, tu m'as dit, les feux changeront, parce que pour pouvoir faire des appels de phare, il y aura des flashlights. En fait, ouais, ça c'est un truc, malheureusement, on n'y a pas pensé à temps, et en fait, je pensais que ça allait être ça qui allait flasher. Mm-hmm. Le problème, c'est que la technologie ne permet pas d'avoir... un feu de... Oui, parce que quand les feux sont baissés, ça va pas assez vite. Non, le mécanisme n'est pas assez rapide pour faire des appels de phare rapides. Même sur l'origine, il faut... ici, ça flash d'origine, et puis quand c'est relevé, il y a les quatre. Et là, on aura un petit module ici en plus, donc l'entrée sera un peu réduite, mais globalement, on va conserver la même chose. Après, tu vois, on a fait attention à ce petit détail qui est tout con, mais... En fait, si tu regardes la voiture d'origine, cette ligne-là, elle n'est pas parallèle à celle-là. Tu veux me montrer ? Allez, viens. Et ça fait partie des petits trucs où... alors, c'est subtil, hein, mais tu vois, ça s'évase un petit peu comme ça. Et c'est des trucs... ça faisait partie de ma liste quand on a commencé avec les designers. Ce qu'on a fait, c'est que déjà, on a rehaussé un petit peu les ailes. Donc ici, si tu veux, à partir de cet angle-là, ça chute. L'autre, comme on élargit pas mal, elle continue plutôt comme ça. Donc cet angle-là est atténué, mais on a quand même pas mal élargi, je crois, à peu près de 5 cm par côté. 3 cm de chaque côté à l'arrière et 5 cm à l'avant. Et du coup, ça nous a aussi impliqué de retravailler tous les trains roulants. Parce que, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est moderniser un petit peu les épures de géométrie et profiter de cet élargissement pour recréer des nouveaux trains roulants. Donc on n'a pas simplement une cale avec une cale d'étrier qui vient pour faire l'adaptation entre le moyeu d'origine. On a carrément des nouveaux moyeux avec des nouveaux roulements plus gros. Les triangles supérieurs sont redessinés. Les moyeux matchent parfaitement avec les étriers de frein. Et ça, à l'avant et à l'arrière. Parce que le moteur, hein, il passe à combien de chevaux là ? Là, on part du bloc 5 litres S4, ouais. Donc qui était le V8, on va dire moderne, avec les culasses 16 soupapes de chaque côté. J'ai choisi ce modèle-là en particulier pour ce moteur-là, parce que les autres avaient les culasses 8 soupapes. Alors il y a les pour, il y a les contre. Moi, je trouvais que ça faisait quand même un peu plus noble d'avoir 32 soupapes.
Mais donc là, tu l'as envoyé chez ce motoriste qui retravaille tout en fait. Ouais, là c'est pareil. On a commencé. Donc j'ai dit voilà, j'aimerais avoir 400 chevaux. Et ça, c'est des choses que j'ai fait au préalable du lancement, tout comme la boîte de vitesse. J'ai fait une pré-étude avec les ingénieurs pour être sûr qu'on puisse communiquer en disant voilà, la boîte, ça serait une boîte 6 et le moteur, il fera 400 chevaux. Il sait combien d'origine sur la S4 ? 320. D'accord. Tu voulais 80 chevaux de plus. Je voulais 80 chevaux de plus, sachant que ça reste atmosphérique, ouais. Pas de turbo. Et pour aller gagner au-delà de 20, 30 chevaux, 40 chevaux sur une Atmo, il faut commencer à gratter un peu. Pour gagner des chevaux, il faut faire rentrer plus d'air. Et quand tu mets pas de turbo, ben, il faut aller les faire rentrer d'accord. de manière naturelle. Et du coup, le plénum, c'est la première des choses qu'il faut modifier. D'accord. Et donc, on est parti de ça. Et en fait, on a pris la liste de tous les défauts de ce bloc moteur. Et on en est à peu près à 300 pièces faites de zéro que pour cette voiture-là. En fait, ça aussi, les fauteuils, on se dit que ça a toujours été comme ça, ouais, mais en fait, pas du tout. Non, enfin, c'est nouveau design, inspiré des sièges d'avant, surtout basé sur la structure, mais par exemple, les mousses que tu vois, là, ce galbe-là, tout ça, c'est usiné sur une machine 5-axe, c'est des nouvelles mousses, on pourra choisir la densité, etc. C'est vraiment fait sur mesure. Et l'idée, si tu veux, dans la voiture, c'était de retirer le plus de matériaux pas nobles et de le remplacer par des matériaux nobles comme le cuir, l'alu, le carbone. Donc tout ça, ça va être... Mais c'est très sobre en même temps. Là, ouais. On n'est pas envahi d'écran. Ouais. Je ne sais même pas où sera la vitesse d'ailleurs, parce que la tu vitesse, parles du compteur. Là, ça sera les compteurs digitaux un peu comme les Renault 21, les trucs comme ça. Ils vont être contents, les possesseurs de 21. Ils vont dire, waouh, c'est notre revanche. Enfin, ouais, c'est pas définitif, tu m'as dit. Non, ce qui va changer, c'est un petit peu ça. Parce que le compte tour s'avère être un peu petit, donc il fera 80 mm de diamètre. Ce qui fait que la casquette va être un poil plus grande. Donc, on est resté assez fidèle au design d'origine. À part, je te dis, la console centrale qui change du tout au tout. Les boutons qui sont placés à peu près à la même position qu'à l'origine. Il y a un autre point qu'on va évacuer rapidement aussi. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas besoin d'homologation, mais en Europe, à titre isolé, tu m'as dit, ouais. Je vais préparer aussi l'homologation couvrir au cas où, bien que, a priori, la majorité de tes clients sont à l'étranger où il n'y a pas cette problématique. Ouais, ce jour, j'ai un client en Autriche. Ouais. C'est le seul réellement qui va avoir besoin de l'homologation puisqu'on travaille avec le TÜV tout au long du développement du projet. Donc dès qu'il y a des sujets, par exemple, comme les papillons moteurs, tu sais, du plénum d'admission. Au début, les ingénieurs me disent, avec la Delta, on a eu l'expérience, vous pouvez pas mettre des papillons motorisés. Donc, en gros, tu es obligé d'avoir ta vieille pédale avec ton câble derrière. Et ça me faisait T'embêtait. Ça m'embêtait. Et là, je me suis dit, les gars, il faut absolument convaincre. Donc, ils ont fait toute une note explicative pour le TÜV pour pouvoir dire, OK, ça va être validé, on aura des papillons motorisés. Et comme ça, après, tu peux avoir des options comme le cruise control, tout ce qui va avec la gestion moderne. Et voilà. Vous réingénierez tout, boîte, etc. Ben, la boîte, c'est un bon exemple. Donc, c'est la seule chose qui est faite en France, avec les pneus, puisque je travaille avec Michelin. La boîte de vitesse, c'est Involute Transmission. C'est un génie, le mec. En gros, je lui ai envoyé une boîte 5 en disant, écoute, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que je sais que les Américains mettent une boîte de Corvette, mais ça implique de modifier le torque tube, ça implique de modifier tout le berceau arrière, et c'est généralement pas très très au point. Et surtout, les rapports d'une Corvette sont faits pour une Corvette et pas pour une 928. Et donc, il m'a dit, t'inquiète pas, je pense que je peux rentrer une sixième. Donc, je lui ai envoyé une boîte. Il a désossé et un mois après, il m'a dit, écoute, c'est bon, je te ferai une sixième. Donc, ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'on a commencé à bosser sur la boîte. Et c'est une pièce d'orfèvrerie, quoi. C'est énorme parce qu'il a le bureau dans lequel il travaille sur son ordinateur déconnecté d'Internet parce qu'il a des projets aussi assez sensibles, voilà, où il faut absolument pas qu'il se fasse copier. Puisqu'il a beaucoup de brevets, les synchros que je vais avoir par exemple. Et ce gars-là, il pousse la porte de son bureau et derrière il a l'atelier avec des machines qui ont 80 ans, comme des machines 5-axes numériques. Enfin, il est capable de faire tout ce qu'il y a des engrenages, c'est son truc, quoi. Thierry. Oui. Avant de partir, on avait oublié d'allumer les feux à l'arrière. Je trouve ça très impressionnant. On aura, si tu veux, ce bandeau rouge qui va se mettre en surbrillance dès lors que tu vas freiner. Celui-là va rester toujours éclairé de la même manière. Il ne va pas s'éclairer plus. Et puis ici, ça va devenir les clignotants. Voilà. Et ça sera
On va réutiliser un module de McLaren, en fait. On va venir mettre un poil plus bas pour laisser placer les plaques américaines. Et puis, il y aura le feu de recul intégré. D'accord. Voilà. Et alors, ultime chose, montre-moi là à la lumière la clé Alors, attends, la clé. de la voiture. Ah ouais, attends, je te suis. Bah ouais. Voilà, Là, tu as tiens. deux protos là, Ouais. mais montre. Déjà, elles pèsent leur poids. Hein. Ouais, en fait, ça, c'est une Et là, tu en société as une autre. californienne Ouais. qui s'appelle Formaworks. Et pareil, ça a été un bonheur de travailler avec eux. Je les ai fait collaborer avec mes designers qui les ont un peu guidés. Et puis ça a donné ça. Donc c'est usiné sur le même acier qu'une Rolex, par les mêmes machines. Et donc le Mais poids, ce ça que tu m'as ressort. raconté, moi, me plaît encore plus. Tu m'as dit, je ne veux pas d'un pli. Ah Pour moi, le ouais. plaisir de Ben voilà, l'ancienne et du moderne, je veux, vas-y, mettre la clé c'est tout, dedans. tout Je con. veux qu'on entende le bruit. Je veux qu'on entende. Absolument. C'est canon, ça. Moi, pour moi, le resto mode, ça existe et ça, depuis maintenant pas mal d'années, c'est une réponse à quelque chose qui cloche un petit peu dans les Ouais. voitures modernes et que moi, personnellement, j'adore conduire les voitures modernes, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que quand tu montes, parfois, il te faut un quart d'heure, 20 minutes avant d'appréhender, t'es perdu avec tous les boutons, en fait. Et moi, ça c'est un truc qui me pose un vrai souci. Et donc, le simple fait de prendre et de mettre ta clé dedans et puis d'aller démarrer ta voiture, pour moi, c'est des choses qui doivent rester dans le resto mode. Thierry, Oui, on est à bord là de ta 928 Exactement. de tous les jours, si je Ouais, puis dire. c'est un peu mon daily. De quelle année elle est celle-là? Celle-là, c'est une GT, donc c'est le modèle 89. Moi, j'ai quand même une question sur ton projet. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais tu m'as dit dès le départ, j'ai fait travailler un cabinet d'avocats Absolument. concernant la La légalité. propriété Voilà. intellectuelle. En fait, l'idée, c'était de savoir un petit peu ce que je risquais vis-à-vis de Porsche, et donc un peu de savoir quelles étaient les bonnes pratiques, on va dire. Alors, quelles sont-elles? Alors, en fait, théoriquement, il faut enlever le logo à partir du moment où la pièce sur laquelle est apposé le logo est modifiée. Voilà. D'accord. Donc, il y aura un logo Il y aura un Nardone. logo Nardone, là on a laissé le logo Ouais. Porsche, mais il y aura un logo Nardone et puis libre au client après de remettre le logo Porsche. Voilà. D'accord. On est parti cette nuit à 4h du matin. Ouais. On est en Italie, chez Podium. Absolument, donc Podium Advanced Technology, ça Voilà, s'appelle. qui maîtrise un peu la globalité du projet. Ouais. Mais pour que le grand public comprenne, ils ont réalisé quelque chose qui a marqué les esprits. Oui, dans le resto mode, en fait, ils ont créé la Lancia Delta Futurista. Et puis voilà, Alors, j'ai les mêmes designers, j'ai eu j'ai le que des droit, une ingénieurs. petite minute de la filmer. Ouais. Alors, si vous tapez sur les réseaux, vous la verrez. Mais j'ai eu le droit de la filmer une petite minute. On va la mettre. Et Exact. je te retrouve près de la carcasse, on peut Ouais, dire, de la première voiture où tu vas nous absolument. montrer Je les vais te montrer un pièces. petit peu toutes les dernières pièces que j'ai pas vues, que je vais découvrir avec toi. Thierry, et là on est devant. Donc là c'est le premier châssis que j'ai envoyé en 2021
et qui a servi vraiment de référence. Tu vois, il y a tous les points qui permettent de scanner la voiture et qui a permis aux ingénieurs de pouvoir travailler sur une base fiable, on va dire. Et chaque pièce mécanique, les trains roulants, tout a été scanné de fond en comble pour qu'ils puissent avoir une base de données pour pouvoir travailler ensuite. Et c'est ce que je te disais, pendant un an et demi, 2 ans maintenant, depuis, ils travaillent sur des ordinateurs et on commence à peine à avoir les pièces qui arrivent. Rappelle-moi le nombre de pièces que vous développez au total. On est à peu près à 3000 pièces. C'est insensé. En mélangeant moteur, châssis. Moteur, châssis, tout ça, voilà. En fait, tu vois, ça va venir. Finalement. Donc, ça, c'est pas la pièce d'origine, c'est autre chose. Et pourquoi vous changez? Parce qu'en fait. Si on avait gardé le toit d'origine, tu ne peux pas venir coller une pièce en carbone parce que l'été, le métal se dilate d'une façon et le carbone ne se dilate jamais. Et donc, en fait, on était obligé de créer cette pièce-là qui vient finalement quelques millimètres plus bas que le toit d'origine. Et tu vois, ces points vont permettre de venir réceptionner la nouvelle coque en carbone. Et finalement, ça va faire un peu comme une peau en carbone autour d'un châssis en métal, mais avec des espèces de... Il y aura comme des silent blocks. There will be like some silent block. Yes, yes. So you want to make sure that even if the chassis is a little bit off, after all the years of usage, you want to make sure that the carbon roof is at the same spot for every car. So you want to have some adjustment, and you will have it. Voilà. Between the two. Donc en fait, ça va permettre. Ce qu'il explique, c'est qu'en gros. Les châssis, à cette époque-là, ils étaient fabriqués. Il peut y avoir des différences de quelques millimètres d'un côté à l'autre, et particulièrement sur les Lancia Delta, par exemple, le Futurista. Les voitures, il y avait 1 cm d'écart d'un côté par rapport à l'autre. Et ils se sont rendus compte de ça quand ils ont eu le problème, quand ils ont eu les pièces en carbone. Eh bien, ils ont eu quelques problèmes d'alignement. Et là, en fait, on fait tout de sorte que même si le châssis n'est pas exactement pareil, les éléments en carbone feront qu'ils viendront se poser exactement à la même distance. Ouais, voilà. Tu vois, en fait, pour recevoir les éléments en carbone... Toujours par rapport à l'histoire du carbone, il faut que tu aies des points d'accroche qui soient précis, fixes. Parce que si tu colles le carbone sur l'acier... Tu l'as très bien dit avec Ça va travailler dans le temps, c'est pas sûr que ta peinture ne craque pas, tu vois. Et le fait de faire ça, finalement, on a une peau sur la peau, en fait. Voilà. Tu me remontes par rapport à la rigidité de la... Voilà. Ouais. Donc, ce que je te dis, c'est qu'en fait, on coupe les trois quarts de la partie arrière. Il y a beaucoup de torsion ici, donc ça va venir embuter contre ça. Et tu as ces arceaux, en fait, on va venir mettre comme ça. Ouais. Tac. Et ici, il va y avoir une autre platine qui va reprendre la charge, pareil en haut. Et ça, c'est le système de verrouillage de la vitre. De la vitre, ouais. Et là-bas, tu as une charnière qui va tenir la vitre. C'est magnifique cette pièce, tu montes ça maintenant, mais... Sur un autre renfort qui va... Attends, on voit bien la qualité déjà. Ça a été développé pour vous. C'est que pour la voiture. Mais Thierry, t'es barré de... je trouve ça génial de comprendre le niveau d'exigence. Voilà. Ça, c'est aussi le délire de mon idée de supprimer certaines lignes sur le toit et tout. Et ben, ça implique... tout ce que tu vois là, c'est la conséquence de ce choix-là, en fait. Là, Thierry, on est devant. Alors ça, c'est des amortisseurs faits par la société Tractive. Ouais. Et en fait, on leur a demandé de développer un kit spécifique pour notre 928. Donc ça, par exemple, ça fait partie des pièces qui pourront potentiellement se monter sur une 928 d'origine. Et qu'ont-ils de particulier par rapport à ces amortisseurs, ils sont, comme tu vois, il y a un câble. Et en fait, les 4 amortisseurs vont dans un boîtier électronique avec une espèce d'accéléromètre qui va venir finalement... activer une espèce de petite rondelle pour ouvrir ou fermer le flux d'huile, ce qui fait que tu peux passer avoir différents tarages d'amortisseurs, pas vraiment de tarage parce que c'est les ressorts, mais différentes souplesses, niveau de confort. Tu peux passer de mode très confortable. Ça sera automatique ou c'est toi qui le règle au tableau de bord? Non, tu peux le régler. Alors, on a le choix soit avec un écran que je trouvais pas très beau, que je voulais pas intégrer dans la voiture, donc il y sera mais caché. Et ensuite, on aura 5 pré-réglages sur une molette, un potentiomètre, qu'on designera nous, pour le coup, et qui sera intégré dans la voiture. Donc, sur un simple, une petite action sur la molette, eh bien, tu pourras... avoir réglé ta fermeté. Explique-moi ça. Le moyeu arrière. Ouais. Yeah, that's the rear, that's the front. Et ça, c'est le moyeu avant. Et donc, ce que je te dis, tu vois, c'est que cette partie-là, normalement, elle vient matcher parfaitement avec le point d'ancrage.
Et donc on aura en fait des roulements plus adaptés aux nouvelles contraintes en fait. Et ça, pour le coup, ça a été développé sur mesure, d'ailleurs, ouais, et c'est à ton logo. D'origine, la pièce ne ressemble absolument pas à ça. Voilà, ça c'est le moyeu qui va venir là, ensuite tu auras ton disque, et voilà. Le moyeu avant, c'est pareil, en fait, ça, là, ça va être comme ça, tac. Et tout vient parfaitement matcher, donc ça... Le fait d'avoir reconstruit ça, ça nous a permis aussi de modifier un peu l'épure de géométrie et de pallier un peu au problème qu'on avait à l'époque sur le 928. Tu sais, ce train avant qui semblait vachement lourd, elle est lourde la voiture, mais aujourd'hui avec les nouveaux angles de chasse, etc., on aura normalement un feeling beaucoup plus moderne. Et aussi, je t'ai dit, on change le ratio de la crémaillère de direction. Du coup, tout ça combiné, il faut tout réadapter. Quoi, voilà. Donc, toutes les pures de géométrie avant, elle est entièrement revue. Et à l'arrière, pareil, on a pas mal modifié. Pour moi, c'est tout va de pair. C'est-à-dire qu'on pense souvent à la performance. Ajouter 100 chevaux sur une voiture, c'est une chose, mais derrière, pour que les éléments suivent, tu mets de nouvelles contraintes finalement sur ta voiture. Et pour que tout ça suive, il faut normalement tout réadapter. Tu m'as dit, mais c'est pas la performance pure qui m'intéresse, c'est un ensemble cohérent. Exactement. D'une GT. Il faut que ça soit homogène, en fait. Voilà, et tu m'as dit, le feeling de conduite, j'y tiens beaucoup. Je cherche pas à faire un dragster, je cherche à avoir un feeling plus moderne et plus... Je veux pas non plus dénaturer, en fait, ça, c'est toute une histoire d'équilibre, tu sais, du curseur que tu places. On pourrait en faire une voiture de course depuis des décennies. Les passionnés, les puristes de 928 se tuent à démontrer que la 928, elle est mille fois mieux qu'une 911, qui est plus performante. Et donc, ils les mettent sur circuit pour montrer que c'est mieux équilibré, etc. Oui, mais pour moi, c'est une voiture qui a été conçue pour la route. Il faut qu'elle reste sur la route. Donc, on pourrait faire un truc avec deux turbos, machin, qui fait 700 chevaux, mais... C'est pas le sujet. C'est pas une 928, c'est pas une voiture de grand tourisme. Voilà. Après Podium, nous sommes maintenant chez Italtecnica. Ce sont des motoristes, c'est ça ? Ce sont des motoristes. Le papa a créé la société, Mario Cavaniero, qui est un peu une légende quand même ici dans la vallée de Turin, a créé sa société il y a 38 ans, je crois maintenant. Et ils ont fait des moteurs iconiques comme le moteur de la Maserati MC12 qui a été développé sur la base du moteur de F50 par Italtecnica à l'époque. Et c'est eux, tu leur as confié donc ton bébé, exactement. Ton V8, exactement. Passé à 400 chevaux, qu'on va aller voir et qu'on va démarrer pour la première fois. Absolument, et en fait ils étaient déjà familiers avec le mouvement du resto-mode puisqu'ils ont fait d'autres moteurs pour d'autres sociétés de resto-mode. On peut dire là rapidement, il y a l'Alpha Totem qui est en fait le coupé Berton. Ouais, imaginé par automobiliste. C'est un modèle unique aussi. Hein. Alors c'est des voitures qui sont disponibles à la vente. Ouais. Et c'est comme moi, grosso modo, sauf que ça, on est sur une voiture faite de zéro quasiment. Ouais, tu me dis tout est là, il n'y a pas de pièces. C'est monocoque carbone, etc. Viens, on continue, on va marcher vers les endroits. Mais ce qui est génial, en fait, ce que je comprends au fur et à mesure de ces deux jours, c'est qu'en fait, il y a un petit écosystème qui se crée là. Ouais. Vite fait, on voit la Totem, il y a effectivement la Delta, il y a quelques autres acteurs, je mettrai des photos, viens, on marche vers là-bas. Mais en fait, c'est un micro-marché, mais qui est en croissance. Quoi. Oui, absolument. Et puis, tu sais, quand il y a quelqu'un qui fait les choses bien une fois, on n'a pas forcément envie d'aller chez le concurrent sans savoir. Parce que c'est très. Tu as vu le curseur dans l'univers du resto-monde, on peut le placer à différents endroits, mais c'est rare de trouver des ingénieurs qui ont aussi la notion de faire quelque chose de beau. Et finalement, obtenir 400 chevaux, on n'était peut-être pas obligé d'aller si loin, mais c'est important dans l'univers du resto-monde
de justifier, mine de rien, certains prix et de faire les choses de manière à ce que ça soit beau. On en revient à l'œuvre d'art. Ok. Bon, ben, on va aller rejoindre l'équipe avec les moteurs. Allez, à tout de suite. On peut être à côté ? Thierry, ouais. Ça te fait quoi d'avoir voir ton bébé là? Je vais te filmer avec les sourires là. C'est vraiment quelque chose, j'ai du mal à le décrire, mais comme je t'ai dit, la frustration de travailler depuis tous ces mois avec tous ces ingénieurs derrière un écran et finalement de voir la réalisation de tout ça, ben c'est beaucoup beaucoup d'émotions et de fierté aussi, même eux, hein, je veux dire, ils sont fiers du travail qu'ils ont accompli. Et là, les premiers retours, c'est que le moteur se comporte bien, il chauffe pas plus que ce qu'il faut. Là, on est dans, tu as compris, le premier rodage, donc ils font pas de tir pour vraiment voir la puissance, le couple, etc. Mais on va le savoir bientôt quand on aura reçu l'échappement qui va bien. Mais déjà, c'est positif. Ce que je te disais, Rondo, c'est qu'en fait, tu vois, cette pièce, par exemple, qui n'existe pas d'origine, qui n'est pas comme ça du moins, c'est de l'impression 3D. Parce que c'était tellement complexe. Tout ça, là. Ouais. Spaghetti géant, là, que tu vois. C'est tellement complexe qu'on ne peut pas l'obtenir autrement qu'avec de l'impression 3D. Mais on peut faire du 3D avec l'aluminium, ouais. Tu vois, moi, je ne savais pas. On peut faire de l'inconel, du titane, de l'aluminium, de l'acier inox, je crois. D'accord. Et ça, cette partie centrale là, du plénum d'admission, tu vois d'ailleurs les marques encore du moule. Ça a été coulé en aluminium dans un moule imprimé en 3D, d'accord, en sable, en fait. Et quand on a testé le truc, on s'est dit, bon, ça c'est le point de départ, si tu veux gagner des watts, il faut déjà libérer un peu l'admission. Et donc on a profité qu'on a gagné de la place dans le V, du coup. Et ils ont mis la pompe à eau, maintenant électrique, là-dedans, et non plus entraînée par le moteur. Donc celle-là, on peut la gérer avec la gestion électronique, et faire exactement tourner comme on veut, refroidir comme on veut. Toute la chaîne de distribution. Ah, avec la raccourci, ce que tu m'expliquais dans la voiture aussi. Do you remember how much you shortened the timing belt? 30-40 cm que le circuit d'origine. Et donc ça, c'est dans le but d'avoir un meilleur guidage et une meilleure synchronicité entre les cylindres de gauche et les cylindres de droite, surtout au régime. Dès que tu veux gagner des tours minutes, tu es obligé de passer par cette étape-là. Ah, yes, I saw it last time. Yeah, but it's Ah, it's Ça, c'est ce qui va cacher les courroies, là. Ah, ouais. Ça, c'est mon design, celui-là. Ah ouais? Ouais. It's my design. Et pareil, c'est encore du carbone, ça? Ouais, c'est du carbone, fait sur mesure pour ce moteur-là. Je n'ose pas imaginer la note finale. Non, mais tu vas très très loin, quoi. Cool. Et donc voilà, mais là, il faut imaginer que le moteur, il est brut. Après, il va être redémonté pour vérifier qu'il n'y a pas de lima et tout ça. Et ensuite, on va travailler, tu vois, les surfaces comme ça, ça va évoluer. Puis ensuite, il y a le test final sur la voiture où ça va être encore des. I think we, for John, we do a shakedown of 5,000 or 10,000 kilometers. I don't remember. It's something like 5,000. Yeah. Donc c'est des 5,000 kilomètres après de mise sous pression de la voiture, en fait. Ça, c'est toute la. Chaque page que tu vois là, chaque pièce, c'est une pièce créée pour. Tout ça, c'est ton moteur. Ouais. C'est maintenant que tu me le dis, ça. There are all the all this is for the engine. Yeah, all this is for the engine, for the assembly, and for all the parts. Manual, let's say. Je reprends ton mot de départ, le resto-mode, c'est comme une œuvre d'art maintenant. Ouais, c'est exactement ça. Une pièce unique et on comprend que... C'est surtout pas des pièces que tu achètes dans le commerce, en fait. Ouais. Thank you.
Thierry, Renaud, on arrive presque à la fin de notre périple. Ouais. On est au début 2024, on va se revoir avant l'été avec le prototype. Ouais, j'espère. Moi, j'ai envie de te dire bravo, merci. Félicitations. Merci, t'as déjà des commandes, hein, t'as déjà 7 commandes fermes qui ont versé des gros acomptes. Mais je pense que voilà, il y en a d'autres voilà, à venir. Il y a un gros avenir. Au début de la vidéo, j'ai dit que tu redéfinissais les règles du jeu du resto mode. Donc, j'ai pas cette prétention. On verra quand la voiture sera finie. Merci de faire ce cadeau aux petits observateurs. Merci à toi de me donner l'opportunité. Moi, je suis aux anges. C'est un plaisir, plus de temps. C'est ma mission. Enfin, POA existe pour ça. Pour des gens comme toi. Donc un grand merci. Merci Renaud. Bravo. Et puis on se retrouve volant très de la voiture. Vite, j'espère. Hein. C'est ça. Voilà. Vous voyez, la bagnole n'est pas morte. La France avance. C'est formidable. Et je vous dis à très vite. Ciao.